quatre terriens de choix avec nous ce soir. Fanny Ardant. Fanny Ardant, bonsoir. On se calme. C'est donc la première fois que je vous reçois dans l'une de mes émissions. J'en suis très heureux. Alors, avant de commencer, est-ce qu'il y a des sujets que vous ne voulez absolument pas aborder ? Qu'on en parle tout de suite, quoi. Non, on verra au fil du temps. D'accord. Vous êtes comédienne, actrice, réalisatrice. Vous êtes l'une des icônes du cinéma français. Et vous n'aimez pas les interviews à la télévision. Vous avez déclaré « La télé annihile la sincérité. Pas de temps d'écoute. Tout le monde se fiche de ce qui se dit. » C'est quand même pas compliqué de venir à la télé pour dire que votre film a été une merveilleuse aventure humaine. Hein, est-ce que ça a été une merveilleuse aventure humaine ? Oui. Ah ben voilà. Jusqu'ici, ça va l'interview, là, vous, vous tenez le coup, oui. Si vous voulez qu'on fasse une pause à un moment, vous me le dites. Alors, c'est la première fois que vous venez vous faire interviewer par moi. Vous êtes dit, j'ai survécu à l'émission d'Alessandra Sublet. Je peux bien aller chez Ardisson, en fait. On regarde ce qui s'est passé. Fanny Ardant, vous disiez que le cinéma était génial pour ça, qu'on rencontre les acteurs, on a des scènes à jouer avec eux, pas de méli-mélo, et en 15 secondes, il faut que ça se fasse. C'est facile quand il faut que ça se fasse. Ça se passe pas comme ça. On se pose pas la question comme vous, vous pouvez la poser. La réalisatrice vous a demandé d'être en jean. Ça vous va vachement bien en plus, mais il paraît que c'est pas du tout votre truc. C'est vrai ? Vous étiez pas très jean ? Mais j'ai passé ma vie à porter des jeans, je ne vois pas d'où est sortie cette information. On a envie d'avoir 60 ans. Qu'est-ce qu'on fait à 60 qu'on ne fait pas à 30 ou à 40 ? Je ne pense pas qu'on puisse raisonner par tranche d'âge. Se faire désirer forcément dans ce métier, c'est aussi ce qui vous tient à cœur, j'imagine. Ça fait partie en chemin du cheminement, quoi. Désirer ou voulu ? Désirer. Voulu ? Voulu. C'est encore mieux. Hein. Alors, il faut dire les choses. Ça ne s'est pas très très bien passé. Au départ, déjà, elle vous avait confondu avec Catherine Deneuve, donc c'est quand même très emmerdant. Après, elle vous a appelé Stéphanie Ardant. Et quand on lui a parlé de Truffaut, elle a cru que c'était une jardinerie. Donc, effectivement, bah oui. Alors, vous avez eu un gros succès en 2013 avec Les Beaux Jours de Marion Vernoux avec Laurent Lafitte. Vous étiez tellement sexy dans ce film que le Nouvel Obs vous a mis à la une en écrivant que vous étiez une sexy-génère. Moi, je trouve plus sexy que génère. Hein, je veux dire. Alors, vous avez déclaré au sujet de cette une... Le monde est à feu et à sang, on n'a rien d'autre à s'occuper, c'est terrible, cette idée de définir les gens par leur âge et cette idée qu'il faut rester sexy jusqu'à 90 ans. Vous allez être sexy jusqu'à 90 ans, non ? Non, parce que c'est souvent comment rester sexy et si ouais. On n'avait pas envie de rester sexy. Oui. C'est ça. C'est vrai que vous êtes sexy. Quoi ? Alors, cette rigueur, en fait, que vous avez, ça vient de votre milieu d'origine. En fait, vous êtes issu d'une vieille famille limousine, les Ardant du Pic. Et vous êtes né à Saumur. Déjà, Saumur, c'est le cadre noir, tu vois, ça rigole pas. Votre père était officier de cavalerie, non ? Oui. Il vous a élevé à la dure ? Mais non, on n'est pas élevé par un homme ou une femme qui ont un métier. On est élevé par un père et une mère. Oui. Et moi, si j'ai connu quelqu'un de libre... et de fantaisiste et d'humaniste. Ah ouais. Chaque fois qu'on dit officier de cavalerie, on sort une petite cravache. Bah oui, bien sûr. Pas du tout. C'était pas le cas de papa. Alors, votre père était précepteur et ami du prince Rainier. Il a été gouverneur du palais. Il a fait une carrière militaire qui l'a conduit partout dans le monde. Vous avez habité partout, en fait. Oui, partout. Ça explique votre accent de nulle part, ça. Oui, sûrement, parce que chaque fois, on reste assez de temps pour prendre l'intonation des gens, et puis finalement, on se fait un petit cocktail. Alors, après Cendre et Sang, votre premier film en tant que réalisatrice, vous sortez le 8 janvier votre deuxième film en tant que réalisatrice. Ça s'appelle Cadence obstinée, avec Asie Argento et Gérard Depardieu. Vous dites que l'idée vous en est venue à cause d'une phrase de Marguerite Duras, très belle, il faut bien le dire. Attendre l'amour, c'est déjà de l'amour. C'est génial. C'est bon. C'est une expression de Saint-Augustin qui dit « Chercher Dieu, c'est déjà le trouver ». Voilà, mais sauf que Marguerite Duras, c'est plutôt l'amour que Dieu. Ah, bravo Bernard, Dieu. Bravo. Un big up pour Bernard, attends, mais... Ah. Alors, ce film, ces cadences obstinées sont celles de la construction d'un hôtel et de la déconstruction d'un amour. C'est le moment de l'amour quand... L'amour s'en va. Ouais. Et les attentes, justement,
Comment retrouver la fulgurance des débuts? Comment retrouver la magie? Et est-ce qu'on va tout détruire plutôt que de s'habituer à la tiédeur et à la monotonie? Ou est-ce qu'il faudrait plutôt pactiser avec l'ennemi, entre guillemets, comme la vie? Et moi, c'est la première fois que je vous reçois, mais je regrette, hein, j'aurais dû vous recevoir avant. Hein. Je suis fasciné, t'as vu, je dis rien là, hein, vraiment. Alors deux choses, d'abord, graphiquement c'est magnifique, tiens, l'image est sublime. Oui, j'ai eu un très grand chef opérateur. Ah ouais. Alors la deuxième chose, c'est qu'Asie Argento, elle joue un petit peu votre rôle, quoi. Donc vous lui avez demandé à un moment de se mettre sur des talons, vous ne saviez pas si elle allait accepter? Je lui disais, ça t'ennuie d'avoir des talons? Maquée. Ensuite, après, ça t'ennuie d'être très maquillée? Non, non, donc elle a été... Ouais. Elle a tout donné. Ouais. Et Gérard est passé faire un petit coucou quand même? Oui. C'est sympa? Très. Qu'est-ce qui lui a pris, là, de partir comme ça? Non, mais vous qui le connaissez. Non, mais moi, je pense que s'il y a une liberté qui appartient à l'homme, c'est de pouvoir habiter où il veut. Oui, oui. Donc, allez, pars, mon vieux, va où tu veux. Et pas tout le monde qui reste sur son perchoir à donner des notes. Non, mais il y a un truc hallucinant avec vous, pardon, hein, Thierry, c'est que vous pourriez dire, je voudrais manger une pomme. La manière dont vous le dites, c'est cette pomme a toute une saveur tout à fait particulière. C'est vrai, hein. Vous ne pourriez pas nous dire que vous avez envie d'une pomme? Non, mais du chocolat, oui. C'est ce qu'on va faire. Ça va être horrible. On va faire une interview alerte rose. Quel est pour vous le lieu idéal pour une étreinte? Les chambres d'hôtel. Ah oui. Quel est l'endroit où vous seriez incapable de faire l'amour? Dans une mosquée. Ah oui, oui, ça c'est... Ah, c'est sûr. Ah oui. Tu l'adores, toi, hein, Fanny Ardant. Hein. J'en suis fou. Ouais, je sais. Mais le sait, je l'ai déjà dit. Est-ce que vous préférez un homme qui fait bien l'amour mais qui est moche, ou un homme qui fait mal l'amour mais qui est très beau? Non, le premier cas. Moche. Oui. Ah ben, on a une chance. Vous préférez larguer ou faire larguer? Me faire larguer. Je préfère être pas celle qui a occasionné la douleur. Ouais. Préféreriez que votre homme vous quitte pour un homme ou pour une femme? Pour une femme. Préférez être caressé par quelqu'un qui vous répugne ou battu par quelqu'un qui vous aime? C'est bien intéressant. Ouais. Battu, mais avec possibilité de répondre. Ah. Le moment idéal de la journée pour faire l'amour, c'est quoi? C'est celui qu'on n'attendait pas. Alors, dernière question, si vous deviez en choisir une, avec laquelle des personnes ici présentes feriez-vous l'amour? Ah non, non, non. Ah non, 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 non. Non, non, ça pas. Merci de votre patience. Moi, je sais. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.